Madeleine, plusieurs zones et côté route bloquée caoutchouc à bouler. Nous connaissons la police théâtre tenté et fait une intervention sous dans Badelma dans base barbecue et eh ben négio t'est tiré en pile coup de zam avec la police d'après information nous rivé joindre ça qui fait depuis hier jusqu'à minute n'a parlé là tout bloc Badelma et après Delma 18 yo bloqué jeudi en c'est depuis à 3h du matin et eh ben moun qui habitait dans zone ou ak zone qui environne li dans capitale là et eh ben otande gros coup de zam qui a tiré dans toute zone sa yo et ben et situation li complètement et dégénéré en pile côté bloqué gros barricade dans Badelma c'est ça et nous constater et ben caoutchouc te boule tout pendant toute matinée avec bon parti dans mitan journée dans zone tankou grand ri bape de choses ri de l'enterrement et ben moun sa yo même yo t'a protesté contre kidnapping qui fait sous un citoyen et ben et Kafou aviation pas de circulation machine dit tout c'est ça et collaborateur nous Amos Breville l'été constaté. Eh ben t'es gagné en pile difficulté dans zone portail Léogane pour moun t'es joine machine pour yo t'es capable aller et déplacer aller dans activité yo moun qui t'es besoin machine pour t'aller Delma Pétionville ou bien la plaine eh ben yo t'es gagné en pile difficulté yo t'es bloqué depuis moun la plaine t'es bloqué depuis dans niveau Kafou Douya situation hier il t'es gagné gros impact sur toute circulation la plaine dans plaine ça t'es bail gros blocus toute pleine hier après-midi rivé et juste hier soir vers 11h près de minuit et ben c'est une situation qui complètement paralysée en pile activité ça qui a passé caoutchouc qui a boulé en pile côté qui bloqué et ben et gagné moun Amos Breville parler avec yo dans Kafou aéroport yo y a manifesté y a protesté et ben quelques militants politiques qui étaient dans zone là et ben yo continuer à dénoncer pouvoir en place là nous avons vite écouter et quelques protestataires qui étaient dans Kafou aéroport qui étaient dans micro Amos Breville là on revendique nous regrouper nous là ça fait des zones sans violence sans bloquer la rue ça que passer là nous gros syndicat qui va représenter rien qui va la nous défendre droit. Est-ce que le syndicat? Syndicat, bon, à l'époque des Israël, nous avons fait un syndicat là, pour nous regrouper nous là, pour nous faire la ligne. Syndicat vini, il parle avec nous, on a fait des. Comment il parle, ça m'a connu. Il parle aussi qui nous fait. Pour nous là, des Israël vini, la vigne cassée, pour nous associer le côté de nous charger en bas. Voilà le cas. Passager n'a pas voulu entrer là, parce que n'est qu'on entre là, Guinée qui connaît là, fouiller machine, tout le bagage, police va jamais ça. Ça fait plusieurs fois dans le commissariat, je ne vais pas me dire. Les passagers ont tout qui est du mal, nous avons monté une charge là. Là, nous chargeons, nous comprenons. Les gars qui viennent, nous avons avancé. Mais la façon à pas nous, c'est comme si nous n'avons pas monde dans la société. Là, nous courons, pour éviter qu'on avance, nous tirons le gars, nous faisons tout le bagage. Alors, les revendications, nous, c'est que nous pouvons chauffer matin, nous maltraitons, nous prenons le matin de nos policiers administratifs, policiers crèmes et bleus, nous sommes commissaires à faire. Nous sommes sonnés. Et nous prenons machine. Il y a la machine, nous ne connaissons pas qui bon, à qui côté, il va faire avec la machine. C'est ça nous besoin. Nous parlons de côté de la rue. Nous parlons qui est-ce qui veut machine. Mais comme d'habitude, les policiers administratifs qu'on a arrêté le chauffeur, ils ont allé la mairie tout de suite, ils ont pris la machine. Alors nous ne connaissons pas si c'est la mairie liée, nous ne connaissons pas. Premier d'abord, ce qui doit être fait, c'est que nous là, nous regroupons nous, et que pour libération, le chauffeur pour qu'elle soit vraiment la machine. Voilà, on t'a écouté moun qui t'a protesté pour façon yo t'ai arrêté un chauffeur illégal et puis moun qui t'ai quitté zone yo vini nan Kafou aéroport. Phénomène kidnapping nan li continue à faire rage nan mitan population haïtienne nan. Et ben yo kidnappé yon pasteur hier soir ak 6 lot fidèle. Ça passé nan pasteur ça c'est pasteur l'église évangélique El Chama et population Delma 31 levé campé jodi an pou mande libération pasteur a. Yo té bloqué route, nou ap vite écouter quelques protestataires dans Delma 31 qui té nan micro Amos Breville.
Mon cher, on pasteur qui kidnappé hier soir là, mettre là, il pas faire nous bien même dans zone nord. Parce que on pasteur, on leader lié, vous comprenez moi? Quatre nèg yo prend. Jean vini, yo vini avec deux machines, yo ni quand yo prend nèg. Deux pas moto, les machines qui bon yo prend. Là, dans le visa là. Je sorti avec yo met tirer nous dehors même qui pas connait, on connaît c'est que la police qui passe, on passe au même. Et pas la police, et voleur qui t'a fini yo. Elle n'est pas bon mettre là. Il n'est pas bon. Et non, notre pays, pas jamais faire ça dans notre pays. Nous camper là. Oui, nous camper, nous revendiquer pour le pasteur. Parce que nous liés, les leaders nous liés. Mais moi, je présente la police là. Oui, la police là, et nous camper là, il a fait travail par nous-mêmes, nous a fait travail par nous tous nous-mêmes. Faut que nous revendiquer pour le pasteur. Parce que ça va faire bien moi-même. $200,000 parce que. En vue, qui laisse ça passer? Moi, je ne vais pas donner que ça a été vu là. Hier soir, donc 8h, je dis au vin là. Et maintenant, on a rentré dans cette zone là. Si les policiers, comme vous avez vu faire des ordres, vous avez vu tirer nous, sous ça nous avons perdu déjà. Si les policiers tirent, on tire nous tous. Voilà, nous t'a coûté quelques protestataires dans Delma 31 qui étaient bloqués et route jeudi pour demander libération et pasteur Pierre Hébert Alexis yo kidnappé ak 6 autres fidèles, ça passé hier dans Delma 31, c'est pasteur l'église évangélique El Chama. Pendant le phénomène kidnapping nan li continue à faire rage, bandi yo a manifesté dans la Ripoto Presse en toute quiétude. Eh ben jeudi an, directeur général AIPNH la Léon Charles nan yon message pré-enregistré, li mande concours population pour traquer Zak bandi yo. Nou ap invite koute et directeur général AIPNH la Léon Charles. Qui police nous voulons pour Haïti? Je ne veux dire, la police a trouvé dans un chemin gêné. Côté quelques mouns a fourni, gardé, sans faire rien. Contre gang qui sortit pour prendre le pays. Nous avons un moment difficile. Côté chirépite politique là, pas favoriser le travail de la police là. Comme ça, la police là, toute société a vécu de gros épreuves à cause. Alimentation gang yo exam et utilisation que vous faites avec contre citoyens. Il y a des familles qui sont sous la grabat, dans le pays rançon. Il y a un pilote qui est traumatisé. La police a compris et partagé d'où les familles. Le travail est plus efficace si le crime n'est pas tant pile comme ça. Il est plus facile si la société nous est plus moderne. Mais là, crime sorti pour le vin général, alors que l'état doué exceptionnel. Mais situation ça pas qu'à craser détermination de la police là, sous commandement PAM. C'est pour ça que nous exigeons de troupes qui ont devoir de résultats. Résultats, nous avons cherché et différentes opérations nous mener et nous avons continué à mener, montrer détermination pour nous arriver sous tout groupe gang qui sorti pour prendre le pays en otage. C'est une obligation envers tête nous. C'est une obligation envers pays nous. Envers femmes nous. Envers société. Et c'est une obligation pour nous, la police. La police a déterminé pour moyen tout le monde qui campait en face de la loi. C'est ça qu'on a fait depuis des mois. C'est ça qu'on a continué à faire. Parce que la loi a parti seule dans la société derrière nous. C'est peut-être ça, nous avons demandé l'autre fois encore à toute population pour nous protéger à la police là, pour nous cabler bonne sécurité. Merci beaucoup. Voilà, nous avons écouté directeur général à IPNH là, Léon Charles, dans un message pré-enregistré. Côté Eli parlé de travail la police a fait pour traquer Zak bandi yo et demander concours population. Léon Charles, depuis l'aile montée dans tête PNH là, eh ben nous ouais comportement la police là, surtout face à que groupe organisé qui a manifesté en deux pays à manifestation pacifique, nous toujours la police toujours réprimer manifestants yo avec fracas.
Dans l'actualité politique, l'ancien sénateur Evalier Beauplan a annoncé entre jeudi ou demain, pays a bien pour recevoir une seule proposition qui peut demander Jovenel Moïse quitter pouvoir 7 février et puis planifier organisation pouvoir transition. Dans conférence pour la presse, plusieurs dirigeants opération tête ensemble bail jeudi en Adelma 75, ancien sénateur Nord-Ouest en fait connaît, il y a déjà chita parler avec plusieurs acteurs dans société civile là, dirigeants classe politique là qui déjà bail position yo sous document ça. Il a pas demandé plusieurs catégories dans société a, c'est moment pour prendre position sous situation pays en 27 février. Il a annoncé à partir de jeudi, opération a commencé pour exiger Jovenel Moïse respecter la constitution. Et Valier Beauplan, dans le micro, Hervé Noël. Nous avons presque une semaine, nous presque pas dormi. Donc, si tu attendais, il y a une grande entité que nous rencontrons, c'est Diopod, qui c'est direction politique de l'opposition, qui a tout ça que nous connaissons comme entité, nous couvrons conférence pour eux déjà, et que nous rencontrons. Nous chita parlé avec tout le monde, tout d'accord pour nous faire une seule proposition. D'ici jeudi pour demain, le pays a recevoir une seule proposition pour tout le monde dire Jovenel aller 7 février 2021, mandat fini, qui compte nous praler, comment on a monté le pouvoir de transition, qui durait la transition ça, et qui ça qui parle comme grande ligne mission que la transition ça après gagner pour que plus jamais nous ne pas retourner dans la transition. Et ça fait pendant que nous avons fini la prise de parole ça. Aujourd'hui, nous ne manquons pas de députés de honnête pour Sud-Est, pays. Pendant la prise de parole, ça, nous tout dit tout pour nous. Il y a une occasion en or. De jeudi jusqu'au 6 février, chaque grain de monde a une occasion en or pour dire qu'on doit camper. Ou même qui est étudiant, sous pas lever camper, ou pas lever camper, encore pays ou en danger. Ou même qui est journaliste, sous pas lever camper, ou pas lever camper, encore pays ou en danger. Liberté de parole, ou en, vous voulez passer dans la pied. Ou même qui businessman peuple a besoin de tendre, est-ce que vous supportez Jovenel au-delà de 7 février 2021? Faut qu'on parle, faut qu'on tende. Ou même qui c'est culte, qu'on c'est l'église, qu'on c'est venouisant, qu'on c'est protestant, qu'on c'est catholique, peuple a besoin de tendre, on a toujours crété. Ou même qui policier, qui a bail gaz, qui a tiré, peuple a besoin de quelqu'un. Est-ce qu'on a qu'un Jovenel là? Ou bien on a qu'un peuple là? Si on a qu'un peuple là, nous pas besoin d'autorisation pour mobilisation. Parce que c'est tout pays qui doit en branle pour dire Jovenel mandat fini. Soutirer sous peuple pendant le peuple. Mon grand bagaille n'a fait comme rappel pour yo. Police, ça, c'est nous qui te mettons le campé. C'est taxe peuple qui paye police là. Jovenel gon mandat. Police a pas gon mandat. Police, ça, c'est police peuple haïtien. Moi, je souhaite un bon comportement. Puisque il y a l'autre intervenant, il y a l'autre monde qui parle intervenu pour faire le point sur question manifestation. Je m'a dit, on fera encore la presse. Merci. Fais un message là, passer pour nous. À partir de jeudi à côté de fin baléa, opération pral commencer et depuis opération commencer ou pral ouais c'est pas manifestation. Voilà, nous tap côté ancien sénateur Evalier Beauplan, ancien député Mirbalè, membre strict opération tête ensemble dénoncé comportement dirigeant biointégré Nations Unies Bini qui a pillé processus électoral là lorsque situation sociale et politique pays a dégradé chaque jour plus. Dans intervention dans rencontre avec la presse, ancien parlementaire critiqué accord 20 millions qui signé entre conseil électoral illégal là et autorité Nations Unies pour appuyer processus élection à référendum pendant un yen pour clair sous date 7 février. Li rappelé démarche pour mettre campé KEP à Paris pour nak sa la loi mandé à cause institution à li créer des de la loi. Dans sens ça Abel Descolines pensé binu ap travail pour créer la troublaine dans pays a. Abel Descolines dans micro Hervé Noël. Dans moment côté plusieurs millions haïtiens toute institution a mobilisé et a préparé pour yo di 7 février 2021 mandat constitutionnel président Jovenel fini. Nous constatons dans date 27 janvier 2021 BINU qui c'est en instance Nations Unies en mission Nations Unies dans pays d'Haïti yo sorti en communiqué dans communiqué ça yo di yo signé un protocole d'accord soi-disant avec gouvernement de facto qui là. Yo di yo signé un protocole d'accord avec conseil électoral soi-disant pour yo poté un appui 20 millions de dollars américains pour organisation référendum, pour organiser élection présidentielle, pour organiser élection législative. Alors que nous tous connaissons, et selon constitution pays, selon la loi pays,
ni démarche soi-disant pour faire référendum constitutionnel ça illégal, inconstitutionnel et la fête au vu et au-dessus de peuple haïtien qui pas impliqué. Comment expliquer Nations Unies qui t'a doué un principe de neutralité et que mission onusienne ça a binu li engagé dans une telle aventure. Pendant que nous dit nous respecter les relations internationales, nous obligés constater que moun ki nan binu et certains acteurs dans la communauté internationale là dans attitude yo c'est comme si y a attisé, y a encouragé la guerre civile dans le pays d'Haïti. C'est de cela qu'il s'agit et c'est pas un gros mot. Binu dans comportement à travers communiqué 27 janvier 2021 ça côté yo dit soi-disant y a accompagné gouvernement pour référendum pour constitution, y a accompagné des institutions qui montaient en dehors des lois et des principes. Donc ça veut dire yo pas là pour que yo aider peuple haïtien concrétiser ce fameux principe l'autodétermination des peuples, mais yo là dans un cadre pour collaborer avec un individu, avec un régime, avec un seul homme qui gagnait une relation de maître à esclave ensemble avec lui. Dans l'opération Tête Ensemble, n'a pas dit, nous sommes des démocrates, nous croyons en élection. Mais n'a pas dit, avec BINU, avec Nations Unies, nous ne voulons pas une élection à la Centrafrique. Voilà, on t'a écouté ancien député Abel Descollines, ancien sénateur Nord-Est Jean-Baptiste Bien-Aimé, qui c'est un membre initiative Patriote Marien IPAM. Li dénoncé, bon côté pas, répression, li dit pouvoir faire compte opposant yo dans plusieurs départements dans pays. Li parlé sur arrestation vendredi 29 janvier yon chauffeur, ancien député Sinal Bertrand. Sa côté, et pression militant opposition nan Okay recevoir sous l'ordre autorité dans pouvoir. En plus, li parlé sous plusieurs groupe armé tankou Besap Annie qui créa Genève Jovenel Moïse mettait campé pour créer la Pérez tout côté en dan pays a et puis gagne docteur Chile Luidor Soubopal qui salue initiative journaliste te propre marché pour dénoncer Zak Maspina et la police a fait sou yo dirigeant opposition a lancé appel by l'autre secteur dans pays a tankou tire Sénat conseil supérieur pouvoir judiciaire pour prendre position carré barré pour mander Jovenel Moïse quitter pouvoir dans date constitution mandé ça. Jean-Baptiste Bien-Aimé ak Chile lui donne un micro Hervé Noël. La jeunesse pas gain espoir. En pile jeune obligé quitter pays a pour aller Dominicanie, pour aller Chili, pour aller Brésil, des jeunes avec 2-3 diplômes nan men yo. Misère a crasé nous. Insécurité a crasé nous. Jovenel instauré la gangstérisation du pays, li commencé à Genève, en famille alliée dans l'ouest, l'allé à Besap dans le nord-est, li formé Annie, li formé un bon groupe paramilitaire pour terroriser la population pour permettre de ne pas continuer à manifester. Eh bien, c'est bien joint, bien contré. Peuple a dit, Abraham dit, c'est assez. Nous ne pouvons pas prendre l'intimidation encore. Semaine passée, ils ont fait tentative pour kidnapper le sénateur Nenel Kassi. Matin encore, yo arrêté chauffeur député Sinal Bertrand dans mobilisation dans pas salut. Mais peuple a dit nous pas prendre ça. Hier c'était Trou du Nord, la ville de Jovenel Moïse. Jodi a encore c'est Okay. Pendant m'a parle avec nous la terre rouge a mobilisé. Tout rembé manifestation jodi a. Tout pays a mobilisé pour dire Jovenel respecter constitution. Je réitère ma demande. M'a détiré Sénat que Jodia yo gon note pour yo sorti pour di Jovenel mandat fini 7 février faut aller même si yo pas ka rempli rien comme poste même si yo pas ka fait rien mais quand même faut dire ça. Je voudrais également m'adresser au CSPJ pour di Jovenel pas oublier 7 février mettez clair en bas table. Et comme nous c'est la justice n'a fait, sous quitter, ça nous est cap venir arriver, c'est où cap la cause, parce que gon bagay qui inévitable cap arriver. Empêchez-le, mettez clair et font déclaration pour dire ça, nous demandez CSPJ à ça. Nous pensons que à deux déclarations ça y a, deux prises de position ça y a, peuple là attend ça. Nous t'envoie éclaircir un bagay encore pour la presse.
important. Nous avons question manifestation, yo di à l'arrêté gang, nèg k'ap tire sou moun, k'ap kidnapper moun. Son technique pouvoir faire et nous dénoncer pour le mettre gang yo dans la rue depuis hier avant hier là. Sous propose que la patake yo nan fief yo o yo sorti. O y menti, s'il te besoin arrêter yo nèg yo te fait manifestation au côté c'est sécurisé. La police te sécurisé manifestation gang yo. G9. Voilà, nous t'avons écouté ancien sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé avec docteur Chile Luido qui était dans le micro Hervé Noël parmi personnalité politique qui était présent dans la conférence pour la presse. Nous t'es capable citer ancien député Hugues Célestin, ancien député Deus Déhonnête, ancien député Printemps Bélisère, professeur Antoine Augustin avec à la tête émergence patriotique là René Civil. Gain porte-parole OPL là Daniel Syriac qui fait partie direction politique opposition Diopod qui confirmait et tout secteur opposition et ben avant longtemps il a présenté ba nation proposition tête ensemble qui joigne tout acteur clé dans vie nationale là sous formule transition riptique qui doit diriger pays a. Nous interview ba radio Kiskeya dirigeant politique là ba population garantie toute disposition déjà prend pour présenter proposition tête ensemble sa ba nation avant date 7 février qui c'est et fait mandat constitutionnel Jovenel Moïse en tête pays a. Daniel Syriac dans micro Vladimir Maurice Ridoré. Toute voix qui parlait dans l'opposition, c'est de ça qu'on parlait, une proposition unitaire, c'est-à-dire, donc, pas question pour que il y ait plusieurs propositions de l'opposition qui a pu flâner là, mais nous avons pu travailler pour l'opposition, il y a une seule position, une seule alternative, et comme accord de sortie de crise, pour capable gérer question après 7 février 2021, après fin mandat président Jovenel. Maintenant, nous connaissons que, en pile monde, soit, proposition alternative ça, proposition unitaire ça, ils ont estimé qu'ils étaient soutenus longtemps déjà, puisque 7 février tout, donc, plus de peur que de mal. Donc, toutes les forces se concentrent aujourd'hui sur la construction de l'alternative et sont questions de heures ou de jours et non pas quoi que et à gagner 3-4 jours qui passaient pour l'alternative la pas sauter, mais il faut plus de temps de concentration pour discuter à la fois sur la proposition à présenter à la nation et sur la construction de la gouvernance et de la transition également et que tout le monde souhaitait que c'est une gouvernance de rupture, c'est-à-dire qu'il faut construire sur des bases solides pour pas venir répéter même les démagogies de mal-gouvernance que PHTK offre nous depuis 10 ans là. C'est avant 7 février pour nous présenter alternative là. Donc, qui pour rentrer en application après 7 février. Donc, population capable toujours soif ça, mais nous avons obligation pour nous bien construire et pour nous porter un bon bagage par la population. C'est ça, n'a fait dans le mouvement, n'a parlé là. Pouvoir, bon côté parle, annoncer, n'a fait échec à projet politique ça. Mais pouvoir, pas t'as qu'à annoncer l'autre bagage, parce que pouvoir, il y a dans la tête, il y a un monsieur qui est Jovenel Moïse, tout rêve, c'est établi une dictature dans le pays, et lui poser en pile action déjà, pour lui capable de mettre la dictature là en place. Pouvoir, pas t'as capable annoncer l'autre bagage. Mais malheur à nous-mêmes au niveau de l'opposition, si nous laissons paniquer, donc si nous-mêmes nous pas prendre le temps qu'il faut et pour nous construire et avec droite et solution qui est nécessaire pour faire échec à plan Jovenel Moïse avec PHTK et pour nous capables d'offrir population une vraie alternative et pour après 7 février 2021.
Porte-parole OPL là Daniel Syria gen président MNP 28 là ingénieur Dejan Belizère qui plaidait en faveur un bon chita parler pour éviter pays à tomber non kachouboumbe à cause et discussion qui gagne sous dire mandat président Jovenel Moïse. Nous interview Radio Kiskeya dirigeant politique là qui c'est un allié pouvoir déclaré même s'il croit mandat Jovenel Moïse à bout de 7 février 2022 mais li important pour gagne un chita parler en tout acteur pour éviter pays à tomber dans des gens Belizère dans micro Vladimir Maurice Ridoré. Le problème la population femme des choses. Pour tenir du fait que il y a une élection qui a commencé, il y a une élection qui a annulée, pour l'autre élection recommencer, eh bien, et analyse par un et par une méthode analogique, on réalise que le mandat et président Jovenel Moïse, mandat président finit le 7 février 2022. Cependant, les choses étant ce qu'elles sont, on pensait gagner de nécessité et président de la République a compris tout pour gagner au chita. Attendez, mais pas quoi que nous obligés à écraser au pays autour d'une date de fin et de commencement de mandat. C'est indispensable. Les responsables politiques, aussi bien ceux de l'opposition que ceux du gouvernement, ont arrivé et chita autour de la table. On peut penser que le patriotisme eh bien, exige que eh bien, tout le monde et tout le concerné et tout ça qui est une position antagoniste, eh bien, ils ont rencontré autour d'une table et puis ils ont parlé. Qui genre, président Jovenel Moïse, a capable de sortir dans un impasse politique ça? Eh bien, le dialogue, c'est la solution clé. Même si tu as parlé. Pour qui ça, il n'est pas nécessaire du président, ouais, il y a un dialogue. Constate le mandat, le sénateur a fini et lui-même, dans la situation par là, non, ouais, il y a un dialogue. Président et allié, ouais, son dialogue qui doit gagner. Une question ça. Bon, ben, il passe même. Nous avons pensé que M. Sarro est élu député, il est élu sénateur, avec nos banques que le président Jovenel Vini président. Nous avons appelé à un certain moment le président Martelly, qui lui-même peut faire une élection présidentielle pour le président provisoire. C'est que c'est le président du Sénat, le sénateur privé, qui est élu et président provisoire. Il était élu pour 3 mois, mais il est passé 1 an à la tête du pays. Et parce que ça a bouleversé. Un pile référence à tout ce qu'un papier est, un papier 2, donc c'est pour ça que nous pensons que le chemin dialogue, il met la porte solution à tout. D'écoute et à la tête MNP 28 ans des gens Belizère qui était dans micro Vladimir Maurice Ridoré nous praler dans ville Gonaïve côté jodi en gain pour pipiti 3 moun qui blessé en babal à cause gros panique qui était gain dans ville là te gain pile coup de zame qui t'a chanté. Toute activité était paralysée dans mitan journée 1. Opposant à régime en place là fait connait à Kembe Beton jusqu'à ce que Jovenel Moïse quitte pouvoir. Josué Jean-Baptiste pour plus de détails. Ville Gonaïve connaît une nouvelle journée tension jeudi vendredi 29 janvier 2021. Coup de zam qui t'a chanté en bas la ville là, t'es la cause gros panique côté pour pipiti 3 moun sorti blessé en babal. Alain Noël qui c'est administrateur centre santé Kasolel côté moun sa yo t'a cherché soin. Abdi plus. C'est pas mal. Premier monde qui est venu, son chauffeur taxi, ils vont balle là. Deuxième monde, son dame qui vont balle dans dos. Troisième monde, son l'autre dame encore qui prend. Ils prennent deux cartouches même dans le poète. Il y a deux premiers, nous qui t'envoyons en ambulance, mais nous avons premier soir, nous voyons monde blanc. Et il y a deux filles, un garçon. Peut-être que les garçons sont chauffeurs taxi. Et garçon pour balle là, pas droite. L'autre dame prend balle là dans dos. Et l'autre dame dans tout prend deux cartouches et dans le poète. En total, nous recevons toi. Nous pas dit pas que l'autre, mais toi nous recevons. Pas marcher au combat. Marie-Michel pour fait yon nan victime yo ki t'ap pran soin abdi nan ki circonstance li rive pran cartouche la konn nan sot pou marché a m'a pou aller fin acheter chadek m'a pou aller konn y a pran m'a pou aller mwen konn y a courir en bas konn y a lèm ra courir mwen tombe courir tout konn nan rive nan carrefour rue liberté pou kontan toni a bi santi on bagay pike m chik konn y a vin lèm gade mwen manye lèm gade mwen c'est ça son cartouche m'a recevoir nan rue liberté bon marché a acheter m'so Fon di, toute activité était paralysée dans centre-ville là, même ti machan yo qui était venu étaler marchandise yo sous grand rue hein, t'a pral courir rentrer la caillou dans mi-temps journée hein avec bric cartouche, moun te kap tande dans toute direction en bas la ville là.
Opposant ak pouvoir en place en di, yap kembe ville lan chaud jusqu'à ce que yo jwenn bout président Jovenel Moïse 7 février 2021 kap vini la Gonaïve Josué Jean-Baptiste Kiskea. Merci Josué Jean-Baptiste, nous pralé au Kay, pile moun au Kay manifesté jodi an pour exiger Jovenel Moïse quitter pouvoir 7 février 2021 kap vini la, qui c'est date constitution di mandat fini. Protestataires dénoncé zak violence qui a répété dans tout racoin pays a, selon yo, c'est et pouvoir en place là pa gen contrôle ça kap passé dans pays a. Et ben manifestants yo lagé tout ça pral rivé après 7 février 2021 sous responsabilité Jovenel Moïse. C'est nos d'esprit pour plus de détails. Il y a plus passé un millier militants opposition en sud qui étaient descendus dans la rue Vilokay dans quatre mouvements. Manifestants ont demandé pour président républicain Jovenel Moïse quitter par la nationale 7 février 2021. On a continué à mobiliser parce que nous rentrons dans le processus démocratique. Il dit que ce n'est pas ZAM pour nous prendre, pour nous retirer un président que nous avons voté, nous avons pas un mandat. Nous votons président pour respecter l'échéance constitutionnelle. Et bien, s'il ne pas respecter, et bien, ça va être mobilisation pour nous mettre d'ailleurs parce que c'est la mobilisation nous n'avons pas le pouvoir. Si c'est un ZAM, nous n'avons pas le pouvoir, nous avons un ZAM. Mais c'est la mobilisation nous n'avons pas le c'est la mobilisation. Mais je dis à l'immobilisation toute force, toute gang pour dire sur nous, mais nous pas peur, nous avons continué à mobiliser, manifester jusqu'à ce que nous jouions le résultat final qui se date les 1970. Oui, ma parole, etc. Nous-mêmes, nous investissons la RIA, c'est pour nous manifester mes contentements nous, par rapport à divers massacres qu'a fait, violation systématique des droits humains, et nous dit que le pays s'est déterminé à partir de 7 février 2021. 6 janvier à 11h59, Jovenel Moïse perdit toute légalité étatique qu'elle dégagne dans le pays. Et si monsieur a persisté à l'évoluer à 7 février 2021, n'importe pas arrivé dans le pays, c'est lui qui est responsable. Donc, nous, dans la guerre des militants, la bataille va commencer. Fok nous dit, malgré manifestation ça a déroulé de façon pacifique, ça n'a pas empêché majorité activité chaque jour, tant que l'école, magasin, marché, pas fonctionné jeudi vendredi 29 janvier, dans la ville au Kay. Jean Senosé l'esprit pour Radio Kiskeya, ville au Kay. Merci Jean Senosé d'esprit. Opposition en nord-ouest annoncé il y a occupé béton en un jour cap vini là pour forcer Jovenel Moïse respecter constitution pour quitter pouvoir 7 février 2021. Nous a conférence pour la presse jodi an et ben yo qualifié de démagogie travail yo dit qu'il a fait dans ville port de paix comme quoi après le carnaval yo fait connait Jovenel Moïse doit quitter pouvoir. C'est Jean Whiskis pour plus de détails. Opposition dans le département nord-ouest dénoncé pouvoir PHTK là yo dit qui passe suspendre semaine d'ay dans mitan population haïtienne là annoncé gros mouvement rêvé campé pour forcer président Jovenel Moïse respecter constitution haïtienne là qui fixé fin mandat 7 février 2021 yo dénoncé tout travail démagogie yo dit chef d'état là a entreprendre dans ville port de paix d'après Pierre Reginal ak Apollyon Trompé. Nous mettons d'accord pour nous faire respecter l'échéance constitutionnelle. Opposition dans le département nord-ouest qui dit au pape prendre en provocation Jovenel Moïse pour mettre pour évaluer le travail tête en bas, chef l'État l'a fait pour agir pour Yoa. Il a décidé de tout rejoindre Jovenel Moïse à travers gros batailles qui déjà déclenché à travers tout le pays d'Haïti, une des l'autre, Paul Elie Faustin et Max Onuel.
faut que nous dit opposition dans le département de l'Ouest décide de fouler béton en jour qu'a vini là pour exiger président Jovenel Moïse respecter date 7 février 2021 qui c'est date limite dans palais national. N'a signalé parmi représentants parti politique dans l'opposition Nord-Ouest qui était présent sur table conférence là, nous était capable citer Front patriotique populaire, Haïti en action, Petite Dessaline, Fusion, Mola, Force Nou, Famille Lavalas, pour ne citer ça seulement. Saint-Jean Whisky, Sport de Paix, Radio Kiskeya. Merci Saint-Jean Whisky, Radio Kiskeya. N'a fait premier la Tibonite, dénoncé ministre agriculture, agronome Patrick Sever, il dit Kabou le plante yo nan farine ki refuse fè yo signé contrat yo te gen ak l'état haïtien nan sa ki gen awè ak engrais a di youn nan dirijan 49 coopérative yo Medje Baptiste menase pou bloke vale la Tibonite si autorité yo pa respecte engagement yo te pran anvè paysan yo parce que yo te promet yo manger nan asyèt yo pendant weekend nan ou bien lundi ou plus tard pour ministre signer contrat avec 49 coopératives parce que n'a monté massif situation difficile pour nous faut contrat signer le plus vite possible 49 coopératives président Jovenel l'idée pour lui c'était recapitaliser les habitants de la région de la vallée de la Tibonite mettez manger dans vaisseau yo et puis contrat pas signé pays bloqué complètement la vallée la Tibonite a bloqué les grands mois bloqué parce que faut contrat signé et BNC qui continue à demander nous pour nous payer l'argent. Valé la Tibonite a bloqué le Grand Nord, le Grand Sud a bloqué, mon pape bien monté, pape bien descendre. Mais Junior Jean-Baptiste, yon nan responsable 49 coopératives agricoles dans Valé la Tibonite fait qu'on est, yon pas qu'à prendre pression encore dans mes BNC. Mande président Jovenel Moïse agit pressé dans le dossier ça, s'il pas vle Valé la Tibonite coupé en dé à capitale haïtienne. Bala Tibonite Semak, Milsa Madeus, Kiskeya. Merci Milsa Madeus, gen porte-parole organisation sociopolitique Vive Haïti, Roni Timote, qui mande population pour le supporter et mouvement grève qui annoncé pour 1er 2 février qui a vini là pour dénoncer insécurité, kidnapping et puis mande départ Jovenel Moïse sous pouvoir. Dans conférence pour la presse jodi an dans local émergence patriotique là, porte-parole Vive Haïti a profité occasion ça pour dénoncer accord Nations Unies avec Premier ministre Joseph Jout si pour faire élection dans le pays. Roni Timote dans le micro, Didro par. Même Nations Unies a pris position encore beaucoup de Jovenel pour mettre un paquet de monde dans le gouvernement Jovenel là, et bien sans ça que les décharges là, ça veut dire encourager dans toute l'obéi. Et je vous le dis, nous c'est même Nations Unies ça, Kalchita, non Tichamkaï, avec premier souffle de choper les joutes là, côté aussi un accord pour 20 millions de dollars pour l'élection à le faire, alors on va connaître qui côté élection pour le faire dans le pays là, par rapport avec Jovenel Monté, Moun Bafir, par rapport avec Kray électoral, M. Médicampé, par rapport avec phénomène kidnapping, fait tout partout. Donc, nous venons là matin pour nous dire Nations Unies, si le besoin de Jovenel font l'autre année en plus, vous croyez que le pays a eu dit ses amis Haïti. Ça veut dire qu'après Jovenel fait un an la caillou comme président, mais pas Haïti encore, parce que c'est le mandat Jovenel monté président gang qui bout. Nous avons une conférence de presse ce matin pour nous dire que là, tout donné net changé. Afin de penser qu'on capable faire moun peur, qu'on capable arrêter moun, qu'on capable tuer moun, qu'on capable mettre moun en prison, blague à bail. Parce que tout donné changé, Jovenel va prendre la guerre dans le cafou ça, et puis vous avez pensé nous allons être aussi. Bon, tout le monde connaît position peut pas ici changer par rapport avec dans la boue Jovenel président gang de la GPI qui était problème misère pas changer chômage la vie insécurité quand tout partout d'ailleurs si n'a pas là nous barricade c'est population qui levé camper par rapport avec monde yo kidnappé dans zone et les nous ouais Jovenel prend position pour supporter groupe bandit yo garder hier ça fait de sud avec nord un groupe nèg paralysé pays à Zamala nous sorti avec Zamio nous figuer la police. Nous figuons sacré les CSPN, nous figuons gouvernement et nous figuons la communauté internationale. Tout. D'ailleurs, tout le monde connaît de collecter des âmes dans le monde. Ou a fait crime, ou a terrorisé la population, ou pas dire l'autre nom qui est terroriste. Et pourtant, je fais support l'État pour faire tout le bagage. Il y a des Suds qui vivent dans le Nord, le pays a paralysé, toutes les grosses âmes font quoi dans le monde, la police pas capable. Et pourtant, depuis manifestation annoncée pour dire déchouquer malheureux que les journées là, où est toute unité dans la police là, répondre présent. Donc nous allons faire une conférence de presse à pour dire à son supposé élection la palier à la blague. Parce que l'autre semaine là, il y a des choukailles qui valent gagner. Parce que on ne peut pas mettre dans le grand pour la misère, dans le chômage, dans la vie chère. Et puis l'annonce, n'est pas élection faite là pour tout pour lui. Et lui montre au phénomène d'insécurité là. C'est Ligue derrière.
bagon ti poto candidat va passer pour faire campagne. M'pa connait comment candidat va camper pour ti monde vinn voter par rapport avec sac de là. Donc peuple là c'est dans des choucailles. Dans contexte ça nous même nous prend responsabilité. Grève qui va faire là lundi 1er février, 2 février. Donc lundi mardi, ça veut dire depuis la veille. Premier signal là a bien en bail. Voilà, on a écouté Ronnie Timothée qui est porte-parole Vive Haïti, gain responsable relations publiques Vive Haïti à l'ESIFAO, demande population mobilisée pas prendre intimidation autorité qui a monté scénario pour montrer au pral attaquer gang pour la confusion. Coordonnateur national Vive Haïti bien dit aller dans même sens là pour demander tout secteur poté collé à deux journées grève qui lancé 1er et 2 février qui va venir là. L'ESIFAO bien dit dans micro radio Kiskeya. Peuple haïtien déclenché une bataille baptisée DSB qui veut dire détermination sans bout, qui veut dire tout, des choucailles sans bout. N'a pas assisté au scénario qui fait hier en bas des nappes et plusieurs côtés en zone la plaine. Comme Capoufeuille, si je vois ça, n'a pas dit tout. Sanguinaire qui n'ont pas pouvoir, il veut parler de président de facto, Jovenel Moïse, chef police là, Léon Charles, responsable sécurité publique là. N'a pas dit, nous comprenons bien. Je n'ai pas l'autre manière. Ce façon pour intimider. De Mounio, scénario monté à l'éclair par l'esprit. Ce scénario fait tout faire, je comprends qu'il y a attaqué Gangyo. L'attaqué Gangyo, c'est possibilité à créer pour nous à la veille série de choucages qui va faire là, à partir du 31 janvier. Je vais avoir commencé pour Gang Sao, pour dire courir à courir, donc le tout d'un et là, il y a tout même pour la sortie. Nous disons bon calcul, mais mauvais résultat, parce que nous déjà soumettons avant. Claudia, nous avons constaté le pays a traversé deux moments extrêmement difficile. Mais qui ça la cause? C'est le président. Il y a un monde, un groupe monde dans la société qui a parlé un mandat pour diriger la nation pour te voter des bons résultats. Nous constatons depuis le monsieur s'est arrivé sous pouvoir, nous avons parlé des Jovenel Moïse, monsieur, c'est dans le chaos seulement l'arrivée. Il y a des programmes bidons pour te c'est comme seulement vous faites maintenant poche. Et ça plus grave là. Nous avons une constitution qui dit mais comment mon cap diriger ou pour diriger le pays. L'un prend par exemple échéance constitutionnelle. Mais pendant 4 ans, Jovenel passe dans la tête pouvoir, dans la tête l'État. Jovenel pas fait une tentative pour organiser même une grande élection. Rodia, nous venons la pays dans l'inconstitutionnalité. Inconstitutionnalité, ça, échéance, il n'y a pas respecté. Vous venez joindre Jovenel après 7 février, vous parlez seulement 10 graines élus en la pays. Constitution va prévoir. Pour qui ça? Parce que Jovenel, l'igon folie manifestée dans tes prières, c'est finir en question de dictature en un pays. Heureusement pour nous, mais malheureusement pour Jovenel, il trompait le temps, il trompait le moment. Parce que génération sanguine, il n'y a pas prêt pour valer n'importe qui bagaille. Et c'est pour raison ça. On a regardé l'installation faite sous table là. Nous avons bloc, nous avons fait, nous avons machine. Pour qui ça? 1er février, 2 février, secteur syndical là. Lancer grève. Depuis le secteur syndical a financé grève là, nous disons secteur syndical là, grève là va bouler encore. Grève là c'est pour nous-mêmes des Haïtiens, c'est ça fait. Même au niveau organisation sociopolitique de Haïti, nous prenons responsabilité, nous mettons grève là sous donne tout. Et ça fait nous voyer message. Par tout le monde qui est propriétaire machine, chauffeur, cap conduit machine et l'école, on dit toute institution en a payé en général. Ou bien pour mission par rapport à ce qu'a fait journée, vous dire, pour observer deux journées de grève. Quel que soit secteur, ou bien groupe qui va décider, ou bien quel que soit le citoyen qui va décider de respecter grève, deux journées de grève, ça, on a machine dictature avec Jovenel, avec le mort. Les Sifawa Biron, Odi Jegen, premier secrétaire national et émergence patriotique là, René Civil, qui annonçait dans un titan opposition après le jeune accord final sur comment il pourrait gérer 7 février 2021, date constitution dit, mandat Jovenel Moïse fini. Dans conférence pour la presse jeudi, responsable émergence patriotique là dénoncé phénomène insécurité qui gagne dans le pays à côté, aucun monde pas épanoui. Sous Bapal, porte-parole émergence. Jeanneau Jeune, mandé président Jovenel Moïse pour lui prendre décision sagesse là, respecter constitution qui montrait mandat la bout de 7 février 2021. Nous avons vite écouté René Civil avec Jeanneau Jeune, Namiko Radio Kiskeya.
Kidnapping n'a pas une dimension, quel que soit le monde qui a vécu dans la société, il y a une situation de terre et le monde qui est à l'étranger, pas jamais venu en Haïti. Kidnapping n'a pas augmenté la misère, il a augmenté le chômage, il a augmenté la sécurité sur toute la ligne. Qui fait, je dis, le pays a une situation d'incapacité de fonctionnement. Tout Haïtien qui a vécu dans le pays, c'est comme s'il a vécu dans l'enfer. C'est comme s'il n'a pas senti bien. Pas sentir à vivre de cette situation pour très déplorable. Nous devons dire aujourd'hui encore, à part des gens qui ont kidnappé, à part des gens qui ont misé, à part des pays qui sont ingouvernables, nous avons bon nègre qui sont en prison. Takou Anel, Babas, magistrat Kilik, avec un bon lot, ils ont kembe en prison pour conviction politique pendant ces temps. Moun kap volé, moun kap pillé, moun kap tué moun azam toute la journée, moun kap kidnappé moun toute la journée. Ils ont gagné bénédiction président de la République là, qui fait eux-mêmes yapsikele et moun sa yo pour conviction. Nous ne pouvons pas parler de corruption. Si nous t'apprenons pas de corruption, nous t'apprenons toute journée. Vol dans l'administration publique là, bien l'État n'est qui kidnappé, nous y fait toute qualité manœuvre, parce qu'avant hier, le président descend dans le BRH, il fait des jours pour chercher l'argent, pour commencer à voyager à la série à l'étranger, et prendre l'argent pour payer gang, acheter des armes, distribuer des armes, pour permettre qu'il soit capable de gagner le pouvoir après le mandat le 7 février 2021. Nous venons avec le pays, dans le cap vinio, Mbapdi dans le jour, dans le cap vinio, le pays a pour gagner un accord final, comment nous pouvons entrer dans le 7 février 2021. Accord ça en a venu avec les différents regroupements, les différents partis politiques, Tankou, MDV, Petite Dessaline, regroupement tête ensemble, FND, Dupont et tout l'autre monde dans la société civile là qui vous permet de nous jouer un accord pour nous comment nous allons déposer Jovenel Moïse comme colis encombrant dans la société là, et ensuite diriger le pays là, d'une autre manière après le départ. Parce que 7 février 2021, c'est la date vitoire et constitutionnelle de tout le monde qui est élu président, qui prête serment sous constitution, parce que dans son article 134.2, il est clair. Le mandat présidentiel a fini les 5e année de son élection. Je vous dis à nous convoquer la presse pour nous parler de situation pays et pour nous fixer positionnons par rapport à maman loi pays que il y a des gens mal intentionnés déjà passé en papier 10 000 fois et je vous dis à date mandat arrivé de décider et continuer. En tant que parti politique, je dis maman loi pays c'est boussole nous, nous devons défendre jusqu'au bout. Et nous rappeler le président, il était prêté serment sous constitution pays. Il était prêté serment pour le faire respecter, pour le faire institution pays à fonctionner. Je l'ai dit à regarder, pas de pièces institution pays qui a fonctionné. Peuple n'a pas vivre. Et article 134.2, pas qui date mandat du président a fini. Pas de débat sur lui. Président, je reconnaître dans quelques jours qui étaient où 7 février arrive. Et jour ça, grand matin, demander président pour déposer clé à nous parce que mandat arrivé. Voilà, nous tape côté premier secrétaire national émergence patriotique là René Civil avec porte-parole li Jeannot Jeune qui était dans micro radio Kiskeya. Journal la continue sur antenne radio Kiskeya gagne membre commission présidentielle pour élaboration nouveau constitution qui présenté journée vendredi 29 janvier à Grand Li projet nouveau constitution ça pendant yo précisé y a kebe article qui a ouais droit fondamental chaque citoyen qui dans constitution 29 mars 1987 là dans conférence pour la presse yo bay jodi dans hôtel Kinam dans Pétionville une membre commission maître Mona Jean déclaré nouveau constitution reconnaître plusieurs personnalités un citoyen qui a plusieurs personnalités capable occuper poste dans l'état sauf président membre conseil électoral provisoire pour système judiciaire il déclaré pas gain commissaire gouvernement encore a gain un procureur nous avons vite écouter mettre mon agent une membre conseil commission présidentielle pour élaborer l'autre constitution dans micro Joubert Joseph nous dit que droits fondamentaux parce que
droits fondamentaux qui sont dans la Constitution 87 avant 2001, ils ont respecté dans l'intégralité. Donc, nous disons la visibilité, la transparence des finances publiques qui est assurée. Nous avons lutte contre la corruption qui est un meilleur encadrement. Et puis, il y a une question d'aménagement territorial, l'île érigée comme un principe constitutionnel. La Constitution, ça a par rapport avec toute consultation qui est faite, parce que c'est la Constitution qui nous fait. Donc, c'est par rapport à toute expertise, toute rencontre qui est faite, mais ça sorti. Donc, c'est la reconnaissance de la plurinationalité. Il y a accès égal à tout haïtien, à tout poste qui est lié, qui est listé dans la Constitution. Ça veut dire tout ça qui prévoit dans la Constitution à tout haïtien, ou à capable d'avoir accès à postal. Comme ici, le président de la République n'a pas gagné une nationalité. Moun qui n'a un conseil électoral permanent, n'a pas gagné une double nationalité. Ça veut dire que je reconnais plus les nationalités, mais il y a des réserves. Antiquité dit que pour un monde haïtien, il faut que maman ne pas jamais renoncer à la nationalité. Ça veut dire troisième génération haïtien, il n'est pas capable. Si que c'est haïtien, il y a en dans proposition ça, tout le monde, quelle que soit la génération, il n'est plus qu'à prouver que l'ascendance haïtien est même c'est haïtien. Et malgré le délai article 17.1 constitution, il y a seulement 3 députés avec un grand sénateur. Donc on est, ce n'est pas question quota qu'a fait l'État venir occuper des postes, mais quota ils sont principiés. Donc quota passé à 40%. Mais avec possibilité pour garder ce qu'on va faire la parité. Et puis maintenant, pour les gens qui sont handicapés, les gens qui gagnent, on dit que l'État doit garantir à les gens qui sont handicapés un moyen pour assurer l'éducation, l'autonomie et puis l'intégration dans la société. Ça veut dire pour la diaspora, pour les femmes, pour les jeunes et pour les handicapés, mis à part les droits fondamentaux qui sont garantis et respectés, gagner des nouveautés dans ce sens. Quelle large place que vous faites dans la nouvelle constitution à l'école de la magistrature et au conseil supérieur du pouvoir judiciaire en matière de recrutement et de renouvellement du mandat des juges. Les padoués, donc bagage qui paralyse le système non, parce que le juge n'a mandat à renouveler. Donc il y a plus de responsabilités qui allaient joindre cours supérieur, en fait, cours et alors conseil supérieur du pouvoir judiciaire et l'école de la magistrature. Et puis maintenant, pour fonction de discipline, c'est conseil, c'est pouvoir judiciaire qui gagne pour veiller sur la discipline tout magistrat. Par quel ministère la justice en bord, qui garde qui ça le commissaire gouvernement fait, puisque le papier commissaire gouvernement encore, nous avons procureur de la République. Donc, magistrature avec conseil supérieur du pouvoir judiciaire appelé ensemble pour travailler en synergie pour permettre que le pouvoir judiciaire capable fonctionner plus bien. Mona Jean Soubopal, Louino Pierre, yon lot membre commission sale, parler sous réforme qui fait dans le projet nouveau constitution qui régularise sa yore le concurrence, si fait connaître, gen organe qui crée pour protéger consommateur yo. Li rappele si yon exécutif kap gen yon seule tête, d'après ça qui gen dans le projet nouvelle constitution Jovenel Moïse là. Nous avons invité au côté Louino Pierre dans le micro, Joubert Joseph. Au niveau économique, il y a quelques nouveautés. La première nouveauté, c'est la création d'un organisme pour régler les questions de concurrence. Parce que nous avons le nom et les revendications contre la population, c'est une question de difficulté pour les opérateurs, pour les entrepreneurs, pour arriver à insérer dans le marché, ce marché. Et même d'arriver à insérer ce marché, il y a un paquet de pratiques de concurrence déloyale, de tentatives de monopole, de marché noir. Donc, pendant 30 ans, on va arriver à organiser l'économie noire, on va arriver à organiser le marché, qui fait que dans plus de talent que nous perdons, parce que tout simplement, on ne va pas protéger. Et bien sûr, question consommateur et tout, que nous va protéger contre produits de mauvaise qualité, contre produits dangereux. Donc, bien sûr, on organe indépendant, son comité administratif indépendant, qui est créé pour capable de protéger, offrir plus de sécurité, plus de protection à opérateurs économiques, à consommateurs. Donc, c'est ça que j'ai besoin de souligner pour l'attention de public. Pour ce politique-là, il y a des questions que je connais déjà, qui est passé dans un exécutif à une seule tête, un président, et qui toujours assisté de ministre et secrétaire d'État. Et tout le monde sait, il y a déjà besoin de population et le Parlement toujours gagne un contrôle action. Pour le Parlement, c'est une seule chambre, c'est la chambre députée. Et donc, lui-même, domaine
une détermination changeant est vraiment renforcée. C'est-à-dire que désormais, ça qui relève de la loi, ça qui relève des règlements, nous bien listés, nous bien lisibles dans la Constitution, il y a un papier pour monter sur pilote. Mécanisme pour nommer membres et renforcer, puisque mon pratique était la vie. Donc, à la même tendance depuis 88, pour être capable de faire que mon conseil électoral, une sorte d'exception, c'est-à-dire que ce n'est pas exécutif là, contrairement à l'économie, donc à la même tendance, c'est toujours société civile là qui nous fait appel à eux pour être capable de nommer. Donc, cette fois-ci, la procédure là est clarifiée, lisible et que pour capable de conseil électoral va bien indépendant pour capable jouer le rôle sans passe. Voilà, on t'a écouté Louis Nopierre, qui c'est membre commission ça, qui était dans le micro, Joubert Joseph, conférence pour la presse sale, t'es déroulé en présence, ancien président provisoire Boniface Alexandre, nous connaît, qui c'est membre commission ça, Jovenel Moïse, mettait sous pied pour passer en bas pied, constitution 1987 là, pour capable bail paya yon l'autre constitution, qui taillait sous mes yeux, Radio Kiskia, dans full autre copé. Tranche.